Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour l'épisode numéro 11 de notre Let's Play sur Pokémon Outbound. Et nous avons à présent 6 matchs d'arène, il n'en reste que 2 du coup à obtenir pour affronter la fameuse ligue Pokémon. Et on se dirigeons vers la prochaine arène qui visiblement se trouverait à Ace Town, donc au bout de cette route. Avant du coup d'aller, cette ville là est Kurai City. Ah là, une arène aussi, donc les deux arènes qui restent sont là. Bah, on y go, hein, j'ai envie de vous dire. Trop maniaque, ils ont inversé les lettres. J'ai Ah, le fameux Jolteon double kick, hein. Oh, Megaform. Magnézone. Ah, à chaque fois je fais je n'arrive pas à faire abstraction de ça, c'est un très mauvais réflexe à chaque fois. Aïe 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 aïe, c'est pas possible. Ah, il a fait erreur de défense. Scotland, tiens. Awakening. Crash Girl Sky, on va Arcanon. Switcher sur Delphox, s'il vous plaît. Bouffalante. Je sais pas si on est plus rapide que lui. Si. Giga Impact. Ah, ça aurait tué hein. Très largement. Oh, c'est... Là, c'était 06 vol. On verra plus tard. Absolute. On est donc enfin à H-Town. Alors, si l'arène est ouverte.
74 Vélo-choc. C'est de l'or, non? Même pas. Allez, la reine. Alors, ça a l'air d'être type poison, là. Oui. Un petit Pokémon. Jeu avec le Switch, ah ouais. Donc, c'est une arène complètement imprévisible. Avec tête de fer. Et ensuite on va faire Drain Punch sur le truc horrible. Ouais, ça fait tellement pas mal. Ah, ça fait si peu de dégâts, wesh. Ils ont mis une protection. Noritrite. Ah ouais. Une arène comme ça peut vite devenir dangereux.
Faire les dresseurs en bas, on n'a pas fait. Oui, comme à chaque fois. Heracross. That's safe, on va switcher sur, sur Gardevoir. C'est vraiment tourné Poison Ténèbres. Ah mais oui, oui mais j'aurais préféré seulement Poison. Ça aurait été plus logique. Mascara et Rinsnarl. Ok, bon, j'ai pas trop à craindre de ça. Alors il y a l'intimidation, mais bon. On peut tenter Rockset quand même. Parce que ça reste une double faiblesse sur le... Le mascara, le Grimmsnarl va y passer. C'est crafty. C'est fini. Et ben. Allez, anneau, Rida. Six Pokémon. Ça les Tyranocif. Alors, il y a Sandstream. Hein. Je pense qu'on va, on va pas jouer au plus malin. Ça sert à rien, hein, clairement. Est-ce qu'on pourrait placer notre move? Ne meurs pas de la sang, s'il te plaît. Et il va y avoir un premier kill. Absol. Et un deuxième kill de la part de notre part. Probat. Oh la machination. On va switcher. On se colipède. Probat. Il est niveau 70. Gengar. Ah, je pense pas qu'il mange. On va le soigner. Voilà. Pas de poison s'il te plaît. Il a tanké. Et le dernier Pokémon de l'adversaire. Leech Life. Garbodor, tiens. Ah, il y aura un méga Garbodor, ouais, c'est la forme Gigamax encore une fois qui est empruntée. Il est peut-être... Oh, ça a été... Bon, j'ai pas le choix.
Ah, il est toujours type poison. Je pensais qu'il était poison ténèbres. Bon, c'est pas grave, on tape. On n'a pas grand chose à perdre. Donc, l'adversaire a perdu. L'adversaire a largement perdu. On va mettre l'excadrille et il va y avoir le séisme. Pour finir, combat d'arène sympathique, mais la 7ème championne d'arène, a rendu l'âme. Strength badge, tiens. Garde de rythme, forcément. Donc il va nous rester un seul badge à remporter pour la Ligue Pokémon. Une arène très difficile. Et donc il va falloir longer la route 14 notamment. Excadrille n'a pas brise-boule, je suppose. Hein. Non, ça se verrait hein, sinon, je pense. Non, il a sans force. Oh. J'ai préféré faire marteau-bois, c'est pas très logique. C'est pas stabé. Braviary, j'ai envie de rester sur Braviary. Là, j'ai pas vu le level 4. Hein. Pourquoi elle a switché sur ça? Il a switché sur ça. Pas trop l'intérêt. Si on tombe sur un type fait, mais bon. Je trouve qu'ils ont base extrêmement répandu les types fait. Globalement, depuis le début de la partie. Ah, level 4, 80! Ah ouais, ça rigole pas. Qui es-tu? Bah, je suis moi. Ça suffit. Dis-toi. Il y a un poster ou pas? C'est-à-dire qu'il va être obligé de copier. Un Pokémon. Là, je peux choisir ce qu'il copie. Il va... Oh, quoi? Il est plus rapide! Il avait l'item ou pas du tout? J'ai pris le parti pris d'être plus rapide que lui. Quel enfer! Ah, j'aurais dû double switch. Ah, j'étais sûr d'être plus rapide, je sais pas pourquoi. C'est peut-être pas joué à grand chose. Hein. Allez, on va switcher. C'est pas grave, on va lui rendre hommage.
encore du combat duo. Là c'était Ophila et Monster Dave. Ouais, avoir fait close combat. Qu'est-ce qu'il fout, l'Intellion? Pourquoi est-ce qu'il a. Le choix de l'adversaire m'interpelle parfois, hein, quand même. Par contre il arrête pas de taper le poké l'autre. J'ai mis deux roadside dans aucun qui est passé quoi. Ah bah voilà, enfin. Putain.
Ah oui, comme il a mis la sangle, le Tyranitar Excadrille est boosté. Il est boosté sur ses trois attaques. Boosté ça par sa propre sangle hein, quand même. Oh putain, il a tanké. Oh, ce Squidipet Bulky là. Net. On va se tenter le Crobat. Je l'ai quand même affronté avec une team affaiblie. Et non soigné. Shepard de normal guerrier. Ah, ça n'a rien de type normal. Rotom catalogue. Populaire hein, maintenant. Pensez vraiment que je vais vous laisser faire. Hein. Il y a un truc que j'aurais dû faire avant.
Ah voilà. Ça, je le cherchais. Tiens, je gagnerai une 30 000. Mystical Fire, ça. Il y a Dance Slam, Surf. Oh! Tiens, ça déjà. Que ce soit le méga. Le 16. Bon, on a raté son sucker punch. Quand même faire tête de fer. Ça va, on aura bien joué notre coup là. C'est quoi ça? C'est peut-être une clé pour l'endroit. Il a l'hésitation, oui. Maintenant j'ai compris. Je refais plus l'erreur. Allez, chandelure à toi. La ballon. Voilà, coup critique, bah. Voilà, là, ça c'est typiquement le genre de mauvais pari qu'il faut faire pour perdre un Pokémon. C'est beaucoup plus safe, à moins qu'il ait une attaque de type glace, bien sûr.
Bon, même là, je pense qu'il aurait pas tué, c'était pas stabé. Hein. À nous. Une téléon. Pas vraiment de contre à ces Pokémon là. Hein. J'ai toujours pas le Sludge Bomb pour mon golem. Bon, il y a barre énergie balle sur garde-voir éventuellement, mais on va pas non plus. Il y a un farceur vite, je comprends pourquoi il passe en fond. Ouais, Mega Barnett un farceur, effectivement. Allez, à nous. Masqueur. Oh, il y a plus d'Ardens. J'ai pas dit mon dernier mot. Oh, il a tenté de mettre deux dans ce Draco. Ah, oh, le petit malin. Allez, deux dans ce Draco là. Pas vraiment convaincu du projet, hein, franchement. Putain, mais tous les sbires à chaque fois sans exception ont des méga. Hein. S'en fout quoi. Il a fait Power Gem hein, qui a une double résistance, hein, je rappelle, hein, c'est vrai. Mais ben, c'est pas grave. Hein. Attention, on a un combat du haut dessus. Innocent, le pauvre. Et donc on va s'arrêter là pour cette fois-ci. On se retrouve la prochaine fois. On va continuer d'explorer la bâtisse de la Team Eclipse là. Merci beaucoup de m'avoir suivi, à très bientôt pour la suite. Ciao.